Bonjour internet et bienvenue à la chaîne de Cristal. Donc, j'espère que vous êtes tous bien pour ceux qui me sont ma chaîne de Cristal, pardon. Je vais mettre la chaîne à mon libre, moi. Bref, c'est pas grave. Je sais plus. Depuis tard, je tourne des vidéos. Et ça va faire la dernière, quatrième. Je me semble. Non, non, ça va en tourner après encore. Bon, bref. Donc, je vous montre ce magnifique carnet pour l'instant. Voilà. Et le truc est sorti, je ne sais pas pourquoi. Bref, on va le remettre tout de suite. Voilà, et j'ai l'impression de se barrer. Voilà, c'est ce que je ne voulais pas, justement, à force. Voilà, donc je vous montre de quoi ça parle. Voilà, donc de Louis de Funès, si vous avez bien compris. Donc, je me suis dit, je vais faire un carnet spécialement pour lui. Comme il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai reçu une imprimante et d'abord, il faut que je vous tourne une vidéo là-dessus pour vous la montrer la Canon. Mais ça c'est une Canon, oui. Je sais même plus, je peux être. La Canon. Voilà. Je n'ai pas encore fini mon carnet, mais je vous montre déjà le plus gros. Parce que j'ai presque fini. Il ne me reste plus qu'à plastifier quelques trucs, à ajuster d'autres trucs, et puis bah, je vous le montre. Non. Vous définissez, vous voyez, j'ai découpé une feuille, tac tac. Là, j'ai mis du papier. Autocollant, donc ici autocollant, pardon, j'ai mis là et que je vais mettre une photo après. Voilà, ensuite après, en fait là j'ai rien mis parce que en fait là, je sais pas si vous allez voir, en fait là j'ai rien mis parce qu'en fait je voulais c'était dur à pouvoir mettre quelque chose, donc j'ai mis le sommaire ici, comme ça je l'ai fait mon sommaire. Voilà. Donc, en haut, vous avez marqué sommaire. Après, vous avez marqué biographie. Après, vous avez marqué tous les films de Louis de Funès. Après, vous avez marqué en dessous les photos de Louis de Funès. Voilà, mais que j'ai pas encore mis les photos de Louis de Funès puisque j'ai pas mis les pages. Voilà. Donc, pour la biographie, ça fait de page 1 à page 44. Ensuite, vous avez deux. Pour tous les films de Louis de Funès, ça va de page 45 à page 50. Donc voilà, ça se présente comme ça, vous voyez. Voilà, donc j'ai imprimé, j'ai découpé, j'ai collé. Voilà, si ça vous intéresse. Donc je vous montre pas tout parce que franchement, il y a quelques photos aussi avec, voilà. Il y a quelques photos avec, donc si vous êtes fan comme moi, bah voilà. Avant j'avais tout, presque tous ces films en DVD, Rony Château Vidéo. Donc je vais essayer de revoir. Parce que pour moi, qui était une grande collectionneuse de ces films là, bah les films anciens, vous savez, moi les films anciens ça fait deux, ça fait un, pardon, hein, je kiffe. Ensuite je vous montre vite fait parce que vite fait, attendez, je vous montre vite fait. Voilà, donc pour tous les films, regardez ce que j'ai fait. Donc j'ai découpé des, j'ai fait un copier-coller en fait sur le PC. Sur le PC, j'ai fait un copier-coller donc des meilleurs films de Louis de Funès pour moi. Hein, donc c'est Docteur Knock, La Rue sans loi, Coup de tête, Un drôle de casse et bien sûr Le Petit Baigneur. Au début, je croyais toujours que c'était Le Petit Baigneur mon préféré, mais quand j'ai vu les autres en noir et blanc et tout ça, je me suis dit non. Le tout premier qu'il a fait, c'est Dr. Knob, je crois, mais franchement, ils sont terribles. Donc après, j'ai mis là. Donc après, vous voyez, j'ai mis comme ça. Donc après, je vais les souligner au stabilo dès que vous les aurez. Tous ces films. Voilà. Ah, mais après, c'est chiant, parce que quand vous avez un acteur comme Louis de Funès qui joue dans un film, après, vous avez Louis de Funès qui est dans un autre film avec un autre acteur, donc on sait pas. Comme moi j'aime Louis de Funès, Bourville, Fernandel, et s'ils jouent ensemble, ben je sais pas comment vous dire ça, mais c'est compliqué quand vous avez deux acteurs ensemble, parce que vous savez pas, on le met dans Louis de Funès. Donc en fait faut le mettre dans le titre, faut mettre avec, donc, par exemple, Louis de Funès ou Bourville ou Fernandel, bref peu importe. Quand
c'est un grand rôle qui joue dans le film. Et on va voir beaucoup de fois, machin, voilà. Et nous, vous le mettez dans une autre catégorie, voilà. Ouais, et donc à chaque fois, vous voyez, je prends des. Je vous ai pas dit, donc à chaque fois, je prends des cartons que je découpe et que je colle. Et que, bien sûr, après, ça sera plastifié, puisque j'ai pas envie que ça s'abîme. Voilà, donc j'ai plastifié, mais pas tout. Je plastifie que les pages cartonnées. Vous voyez? Pour dire que. Bah, pour faire un. Vous avez comme un espèce de marque-page, en fait. Vous voyez? Dans les livres, vous avez plusieurs chapitres. Enfin, dans les livres, des fois, on peut vous dire plusieurs thèmes. Hein, dans une même chose. Donc là, j'ai fait ça. Déjà, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, donc, j'ai fait tout ça. Mais ça, par contre, j'ai très mal collé. C'est pas grave. Maintenant, je me rends compte que je peux plus décoller. Voilà, donc vous avez toute sa biographie. Donc, biographie. Voilà. Oui. Une biographie, mais sauf que j'ai pas une photo encore. Donc, il faudra que je le termine, que je le termine, termine. Donc, il faudra mettre la photo. Ensuite, après que. Une fois que la photo soit faite, donc collée. Plastifier. Voilà. Parce que je vais juste plastifier quelques pages. Voilà. Comme ça aussi, hein. J'aurai terminé. Hop, plastifier aussi. Il n'y a que quelques pages qui vont être plastifiées, pas tout. Voilà. Pas tout, non, non. Je vais pas plastifier toutes les pages où, vous voyez, vous avez la biographie. Ces pages-là, je vais pas les faire. Voilà. C'est comme toutes les films, là, si je les plastifie, après, je peux plus les stabiloter. Donc voilà ce que j'ai fait. Ouais, et là, il est censé sur la couverture avoir une photo de Lutte Finesse. Hein, et plastifié. Parce qu'à la base, je ne vais pas le faire à la base, mais après, je me suis dit qu'il faudrait que je le fasse. Ouais, donc ça m'énerve parce que c'est pas, je vais le recoller. Donc demain après-midi, j'ai plein de trucs à faire. Donc j'espère que j'aurai le temps de tout faire. Voilà. Donc vous voyez, il y a juste des carnets à action. Vierge, et puis bah, je me fais moi-même mes propres carnets. Voilà, ça évite d'acheter un bouquin au magasin. Là, ça me rend moins cher. Et je le fais moi-même. Voilà, ma façon, moi, vous voyez. Voilà. Moi, mon créatif, c'est ça. Mon créatif, c'est d'acheter des carnets. Et après, de faire comme si vous allez faire vos propres livres. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Voilà. Alors voilà, donc je vous ai tout montré. Voilà. Ouais, donc j'en ai encore des autres carnets que j'ai pas encore terminé, peaufiné et tout ça, mais que je vais pas tarder à faire aussi. Pas tarder à faire aussi, à finir aussi. Ah, donc déjà je termine Lutte Finesse. Après, je vais voir si je fais pareil pour faire mon deck, Bourbille et machin. Voilà. Parce que j'ai très envie de le faire aussi. Voilà. Une chose. Ouais. Et puis aussi de faire un autre aussi carnet sur les acteurs, actrices préférées. Donc les actrices d'un côté, les acteurs d'un autre côté. Voilà, donc en fait, je mettrai la photo de l'acteur, sa biographie, basta. Voilà. Et je mettrai pas plus. Sinon, je me dis ça va être trop du lourd, 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 vous voyez? Mais après, par contre, je peux en faire un autre carnet. Là, où je mettrai tous les films ou les séries des acteurs que j'adore. Voilà. Vous voyez? Voilà. Il y a des acteurs que je n'aimais pas avant et que j'ai découvert. Et ils sont tip-top comme ça. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Voilà. Ouais, donc maintenant, je vous laisse sur ce, passez une agréable journée. Je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne de Cristal.